semaine de la citoyenneté, cette initiative d'Africa Campus suscite l'adhésion des éléments des forces de l'ordre. Après la police nationale, c'est le tour de la gendarmerie nationale d'emboîter le pas. Au rond-point de Chagua, dans la commune du 7e arrondissement, c'est une mobilisation totale. Ils ont pris d'assaut l'avenue Pascal Yuadimadji pour donner un coup de balai. Une action de bonne volonté qui consiste à accompagner les autorités municipales dans le cadre de l'assainissement de la capitale. L'œuvre est saluée par le maire de la ville de N'Djamena. Nous venons pour encourager ce que les gendarmes ont fait aujourd'hui. C'est un acte salutaire. Toujours dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, la direction générale de la gendarmerie nationale a délégué son médecin de brigade pour consulter gratuitement des patients à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Il est assisté de ces éléments au sein de cette structure hospitalière. On a décidé de faire cette journée au niveau de l'hôpital de l'amitié tchado-chinoise. On a commencé depuis ce matin, on a vu les malades gratuitement. Et c'est à qui on peut donner certains produits avec nous, on peut donner. Et quand on n'en a pas, on leur délivre une ordonnance. Autre volet de l'activité des hommes encriés en cette journée du jeudi, c'est la mise en terre des plans. La direction générale de leur institution constitue la cible. Occasion pour le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Idriss Missmourou, de situer que cet engagement met en exergue les orientations du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a toujours demandé à ses concitoyens de planter des arbres fruitiers.